Je m'appelle Didier Valencian, je suis un des deux responsables de l'atelier de peinture de l'Opéra de Paris. On est six permanents dans cet atelier, il y a deux responsables, Jean-Luc Martineau qui lui est responsable de la peinture sur toile, tout ce qui est en trompe-l'œil, et moi Didier Valencian qui m'occupe de tout ce qui est volume. Il y a quatre peintres permanents qui sont pour trois de ces peintres des spécialistes en toile peinte et un autre peintre qui lui est plus dans ma lignée, c'est-à-dire qui s'occupe plus des environnements, des matières, des patines. Voilà. C'est là où il y a un apport d'intermittents du spectacle qui est très important. Les décors sont énormes, on a peu de temps pour les réaliser, 2-3 mois, donc il faut beaucoup de main-d'œuvre. Et donc là, on fait appel à des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la maison des artistes ou des salariés intermittents du spectacle. Le parcours, c'est plutôt de faire une école d'art. On peut faire une école d'art appliqué, d'art graphique ou de beaux-arts, quoi. Après, c'est pas là où on apprend le cœur du métier, quoi. Le cœur du métier, on l'apprend dans les ateliers, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer, quoi. Un décor en peinture, c'est à peu près 2 à 3 mois de travail. Il faut savoir que les équipes de scénographes et de metteurs en scène doivent rendre leur maquette 1 an. Avant la représentation générale, ce qui laisse le temps au bureau d'études de réfléchir comment on va construire les différentes choses. Donc à partir du moment où les choses sont passées à travers le bureau d'études et que la construction est lancée, on a à peu près 6 mois d'avance par rapport à la représentation générale. Et pour ce qui concerne la peinture, c'est à peu près 3 mois. Pour ma part, moi, je travaille sur différents supports qui sont de la menuiserie, donc du bois, sur tout type de bois ou volume, et de plus en plus sur des matériaux composites, c'est-à-dire sur des sculptures en polystyrène qui ont été stratifiées et dont il faut donner un aspect. On peut avoir des effets de pierre, toutes sortes de matières qui puissent exister dans la nature, hein, que ce soit qu'on aille de la feuille au marbre, en passant par le faux bois ou les sculptures en bronze. Ou, voilà. C'est très vaste, hein, c'est très très vaste. Il y a un gros travail de toile peinte ici, hein, qui est très très important, hein, par rapport au patrimoine aussi. Les peintres en toile sont souvent amenés à refaire des toiles qui sont un peu fatiguées et qui ne peuvent plus jouer, qu'on conserve, mais qu'on refait à l'identique. C'est des techniques anciennes et qu'il faut conserver, quoi. Donc on travaille toujours à l'italienne, debout sur la toile. Nos peintres continuent à travailler selon les techniques anciennes, quoi. Tout s'apprend sur le tas. Enfin, il y a des techniques qui sont appréhendées dans les écoles, mais il faut mettre en œuvre que dans les ateliers. Il n'y a que dans les ateliers où on peut mettre en œuvre des techniques qui n'appartiennent qu'à la réalisation de décors en théâtre. Bon, alors ici, c'est surdimensionné parce qu'on est à l'Opéra de Paris, donc les dimensions sont quand même grandes, quoi. Mais il n'y a que à l'opéra ou dans les ateliers de grand théâtre où on peut apprendre à peindre vraiment sur des toiles ou faire des effets de matière. C'est pas à l'école. Il y a quelques écoles qui le proposent, mais pas à cette échelle-là. Donc il faut pratiquer, quoi. Il faut pratiquer. La passion et la patience, c'est les deux qualités qu'il faut avoir. Il faut être passionné. Il faut être passionné parce que c'est rugueux, hein, c'est pas toujours simple, mais c'est quand même fantastique de faire ce métier. Et puis être patient dans l'ouvrage, être patient et puis être à l'écoute. Après, c'est des qualités propres à chacun qu'il faut avoir. Moi, j'ai les miennes, mes collègues ont les leurs, mais il y a une grande part de sensibilité.